Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo de la semaine du 15 au 21 juillet. On va aller voir quels sont les messages, les énergies. Au niveau des transits, on a Vénus qui est passée dans le signe du Lion. Le Soleil va bientôt la rejoindre et on aura la pleine lune le 21. Donc, pleine lune, euh, je vérifierai parce que moi j'ai vu Capricorne et pas Verseau. Normalement, la pleine lune en Capricorne était en juin. Fin juin, elle est déjà passée dans le signe du Capricorne, mais il se peut que des fois, il y ait des petits décalages. Je revérifierai, de toute façon, ça donnera lieu à une vidéo à part, vous le savez, vous commencez à me connaître. Alors, on a la carte poussière d'étoiles pour cette semaine. Alors, c'est la dernière carte du jeu, donc on pourra voir la fin d'un cycle et aussi la conscience qu'on fait partie d'un tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Éclipse lunaire, le changement. Ouais, et là, c'est au niveau. Voilà, on a la maison 10, euh, le monde, donc, qui correspond à la carte du monde. Donc, c'est ce que je viens de dire une fin de cycle, quelque chose qui s'achève, ou alors une réussite. Hein, ça peut être euh, tout simplement une réussite. L'éclipse lunaire, le changement, on va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre le Rider-Waite et on va demander au Tarot de Marseille. Donc, à travers ce Rider-Waite que j'utilise, ce qui veut bien nous dire. Hop là, hop là, hop là, on a l'ermite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui se règlent. Alors, ce qui est resté dans mes mains, on avait les amoureux, le neuf d'épée quasi renversé, les amoureux, le neuf de bâton. Donc, la méfiance, les peurs qui nous rendent méfiants au niveau de, des choix, de nos propres choix ou d'une euh, personne qu'on choisit ou que notre cœur a choisi. Alors que le mental, il suit pas forcément. Lui, il se dit pourquoi, comment, qu'est-ce, qu où, quand, moi, quoi... Voilà. Alors l'ermite, introspection, silence, calme, retrait, paix, route fortune renversée, ok. Alors on a peur que quelque chose se reproduise, un 7 de denier, ouais voilà le 9 de bâton est vraiment sorti, on a un 7 d'épée. Vous voyez une méfiance par rapport à quelqu'un, non c'est pas une méfiance par rapport à quelqu'un, c'est une vigilance par rapport à un événement déjà vécu. Sur lequel on est encore calqué. C'est pour ça que les choses ne bougent pas. Ne changent pas. Ou alors risqueraient fort de se reproduire. Puisqu'on est quand même calqué sur... Euh, bah cet événement. Donc on est plus susceptible de l'attirer. Puisqu'on est calqué dessus. Alors que si... On, si on change d'état d'esprit, moi il y a vraiment ce côté changement d'état d'esprit hein, avec l'éclipse lunaire et la route fortune renversée, eh c'est là qu'on va commencer à planter quelque chose de plus viable. Le 7 de denier il nous dit patience, l'ermite le, pareil. Donc on a des cartes de patience et si ça ne bouge pas, ça ne veut pas dire que vous devez vous méfier d'une personne ou que la situation est pourrie, etc. C'est plutôt... Euh, on n'est pas encore calqué, peut-être sur les bonnes énergies. Enfin, peut-être, je dis peut-être, mais pff, le, le tirage il est clair, hein. il est affirmatif là-dessus. On n'est pas calqué sur les bonnes énergies. Alors, trois de deniers. On parle de talent, de compétences. On parle aussi de partenaires. Si c'est par exemple au niveau euh d'un travail d'équipe, où ça peut être aussi au niveau de l'amour. Là, le 3 de denier nous dit, il est bel et bien question d'un partenariat calqué sur du long terme. 3 de denier, 7 de denier, c'est vraiment la construction lente, progressive, mais aussi sécure. C'est-à-dire, ça ne va pas s'effondrer comme un château de cartes. Si c'est basé sur l'ego, le mental, à la moindre anicroche, patatras, sat... ça... Voilà. Quand c'est sécure quand c'est euh, solide. Même si y a un coup de vent, un arbre ne va pas se déraciner. Alors, il lui en faut beaucoup. Donc, euh, même une tornade. Hein, J'ai déjà vu des mini-tornades. Euh, D'ailleurs, c'était en 2003. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tempête. Et euh, les arbres étaient pliés. Voilà. Les, par exemple, les, les peupliers et les saules pleureurs étaient comme ça. Ils avaient euh, vraiment suivi la course du vent. Mais ils n'étaient pas déracinés. Donc là, c'est vraiment ce, ce côté euh, ancrage, solidité... Stabilité. Si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a encore des choses à délester. Hein, regardez, euh, derrière, on a le 10 de bâton et le diable qui parle de croyances handicapantes, euh, d'un point de vue sur soi, euh, d'une aliénation, voilà, ou d'une croyance aliénante. Hein, c'est vraiment. Euh, euh, ouais, c'est ça. Le côté. Euh, J'y arriverai pas, le côté, euh, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop chiant, c'est compliqué. En fait, c'est tout ce langage-là qui vous, port... qui vous, qui vous fait porter un fardeau. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. Donc, c'est comment je peux revoir la méthode? Parce qu'effectivement, sur le long terme, pour l'instant, il y a encore un petit peu de vigilance, hein. Le 9 de bâton, c'est, on va dire, une, Comment dire, une réussite, mais comme si on ne l'avait pas intégrée encore. C'est-à-dire que là, on a quand même deux neufs, deux fois du neuf. Donc il y, y a cette notion de fin de cycle, d'apogée, d'arriver au bout, mais de pas encore avoir intégré qu'on est arrivé au bout. Donc il y a encore la dernière compréhension, c'est une dernière leçon avec euh, l'ermite et le neuf de bâton. C'est-à-dire, en fait, mais j'ai les compétences. Ah, mais en fait... J'ai les capacités. Vous voyez, c'est un peu ce, cette intégration-là qui fait que vous quittez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est trop long, c'est trop chiant, il me faut de l'aide, j'y arriverai pas. C'est compliqué, c'est long, c'est laborieux. Vous voyez, tout ça, c'est un état d'esprit qui fait faire des choses, qui, qui nous fait agir d'une certaine manière. Et le 10 de bâton, c'est vraiment un point de vue, euh, une, une façon de voir la vie qui nous l'a fait aborder avec la, comment dire, la teneur adéquate. Si vous dites c'est trop long, vous allez être calqué sur le temps, déjà l'univers va vous donner encore plus de temps, et ensuite vous allez être en mode... Euh, comment dire je, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu pour vraiment vous montrer que c'est une question d'énergie. Un jour, euh, je, genre, je, ça dure deux secondes, hein, l'anecdote, je suis euh, dans une file d'attente euh, au supermarché. Donc, j'ai l'hôtesse de caisse habituelle, ma préférée, avec qui j'ai noué, euh, on va dire, des rapports très euh, amicaux, enfin conviviaux en tout cas. À chaque fois qu'on se voit, grand sourire, salut, ça va, comment vas-tu aujourd'hui, tout ça, tout ça. Et moi, je suis trop contente parce que je vais chez mes parents et euh, je leur ai acheté des petites choses euh, qui rappellent à mon père une certaine époque. Et ça se trouvait que dans le magasin euh, auprès de près duquel j'allais faire mes courses, dans lequel j'allais faire mes courses. Et donc moi, je suis super contente et tout. J'ai mon téléphone parce que je suis dans la file d'attente, donc je patiente. Je suis pas en attente, je patiente. Donc voilà, je sais que mon tour va, va arriver. Donc je ne suis pas dans la frustration, euh, l'attente fébrile, bon, c'est quand que je passe, euh, voilà. Mais la dame devant moi, qui est en train de mettre ses, ses courses sur le tapis, elle nous jette des regards mauvais. Elle parle mal à l'hôtesse de caisse euh, et puis elle commence à se braquer, mais pour rien en plus. Enfin, pour rien. Moi, de mon point de vue, il ne se passe rien de spécifique pour qu'elle se mette dans cet état-là. Mais sur son visage, je me dis, ça se voit que elle se, elle se malmène elle-même. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas la vie qui la malmenée, c'est elle qui malmène, qui se malmène. Elle est calquée sur, voilà, sur, sur cette énergie. Donc, ça se voit sur son visage et ses rides en disent long sur le dépit. Vous savez, on a des rides de dépit, c'est-à-dire au coin, dans les commissures de la bouche, quand ça va vers le bas. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec une forme de bouche très euh, déçue, colérique, méprisante. Enfin, voilà. Et ça se voit sur son visage. Donc je me dis, euh, bon ok, c'est un samedi matin, moi je vais chez mes parents, euh, j'ai hâte de voir la tronche de mon père quand il va boire euh, son jus de fruits caresse antillaise parce que ça lui rappelle quand on vivait dans les Antilles et tout. Voilà, je suis contente. Et là, tout se bloque. Le tapis roulant, le, la machine de carte bleue, elle arrache d'ailleurs sa carte bleue, elle essaye de partir avec ses courses sans payer, enfin bon, le vigile arrive, la responsable de magasin, bref, tout coince pour elle. Et au final, elle nous regarde, euh, le monsieur qui était derrière moi et moi, comme si on était responsable de la situation. Moi, je me dis, le prends pas personnellement, tu passes un bon samedi. Euh, dans deux secondes, elle n'est pas significative, elle sort du magasin, euh, elle sort de ta vie. Donc, euh, voilà. Et je reste dans cet état d'esprit-là. Quand moi, je passe, tout se rétablit. Tout! le tapis, la machine de carte bancaire et on est vraiment au même endroit au même moment mais on ne vit pas du tout la même chose parce qu'on ne vit pas du tout de la même façon. Et c'est vraiment ça que j'ai comme anecdote en tête, c'est à dire que c'est cette intégration. moi je me suis dit waouh quand même c'est fou en, en l'espace de quelques secondes tout a bloqué pour elle et tout se débloque pour moi enfin c'est pas que ça se débloque pour moi, c'est que ça se remet à la normale. Alors que pour elle, ça s'est vraiment calqué sur ses énergies, des appareils électriques, pour vous dire. Donc voilà, c'est cette intégration, ce, cette fin de cycle où on intègre, voilà, et avant que ça bouge, on consolide ce qu'on a acquis ça c'est vraiment important, l'ermite, le 7 de denier, le 3 de denier, je, je conscientise mes compétences, ce que j'ai pu acquérir durant cette période, euh, durant ces 9 derniers mois, 9-10 derniers mois, j'ai l'impression que ça date depuis septembre, j'ai le 9 comme ça, 9-9, je sais pas, il y, y a quelque chose au niveau des 9 derniers mois, comme une gestation, et que là, ça y est, Vous voyez, c'est un peu, voilà, quand, quand euh, je pense que, j'ai pas accouché donc je ne sais pas, mais vous me confirmerez en commentaire que quand vous venez de délivrer ce bébé, c'est-à-dire la délivrance, mais aussi delivery, hein, c'est-à-dire la commande, ça y est, <laughs> qui, qui est livrée, euh, ça vous fait tout bizarre. C est, c est le bébé est plus là, le ventre est quand même là. Vous voyez ce que je veux dire Moi, ma mère, elle me disait bon, il est sorti, il faut que je l'intègre maintenant, il est plus là, il est plus dans mon ventre, il est. À côté dans une couveuse, dans un espèce de truc, euh, voilà. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment cette intégration là. Alors, on, je vais pas euh, passer trop de temps sur le, le tirage en croix, ok. Ça, c'est ce qui vous aide. Je voudrais voir les un peu les énergies de la semaine. Alors, je l'avais préparé. Alors, je viens de parler de bébé, ok. Celle-là, il vaut mieux qu'on la mette de côté, hein. Euh... Je pense voilà qu'il y, y, <coughs> y a ce côté, oula, chakra gorge, il y a ce côté euh, j'intègre maintenant, je fais partie d'un tout, que ça faisait partie d'un tout. Et même si ce n'est pas encore là, c'est quand même là parce que ça fait partie de quelque chose. C'est qu'une étape dans mon trajet, c'est que voilà, quand vous ratez un rond-point, vous ne dites pas oh, zut, j'ai pas le droit d'aller au boulot. Non, euh, quand vous avez un feu rouge, un stop dans votre vie, pareil, vous savez que ça va redémarrer. Et c'est peut-être pour le meilleur d'ailleurs, encore mieux que ce que vous pouviez penser. Alors, lundi. Alors, on a le Phénix et euh, je l'appelle Excalibur parce que ça fait vraiment penser au roi Arthur. D'ailleurs, j'ai regardé Camelot euh, euh, le film. Hein, voilà. Oui, il retourne chercher Excalibur. Euh, ok. On va voir ce que nous dit. C'est cette... marrant, elle tombe par paire. Alors, je ne vais pas avoir assez de place sur la table, moi, si ça continue comme ça, les gars. Ok. Euh, on se... Ouais, il y a une. Comment dire Mardi, il pourrait y avoir un événement qui nous fait conscientiser tout le trajet qu'on a fait et peut-être que même si euh, voilà, c'est pas encore là, et qu'il y aurait euh, quelque chose, par exemple un message, une nouvelle, euh, où on se dit bon bah c'est pas euh, voilà, ça vient me rattraper, j'ai l'impression que on a ce côté, euh, je conscientise aussi tout le chemin parcouru, ça va être hyper important, j'ai l'impression. Okay. Ça va être hyper important et il euh, y a vraiment ce côté construction. C'est en vue de mieux construire et de, de regagner sa place. Il y a une notion de regagner sa place cette semaine. Alors, le repos. Aurora, hein, donc la belle au bois dormant. On a ici le saut de la foi, je l'appelle comme ça. Ah, tranquillité vendredi. Ok, on arrête de se flageller pour... Euh, s'être trompé sur quelque chose ou pour, pour ne pas avoir conscientisé peut-être tout de suite ça fait partie du parcours et ce week-end l'énergie du week-end il s'agit d'une relation à soi d'une image de soi euh, alors attendez oui je l'avais dit hein, j'ai quand même euh, la caméra grand angle mais euh, il faut que je dispose des cartes de façon assez harmonieuse alors on va les remettre droite déjà ok voilà et voilà c'est mieux? OK. Alors, je vérifie. Ouais, bon, vous la voyez. Hein. Alors, ici il y a une renaissance et la, la conscientisation de la légitimité. Moi, c'est ce que j'ai ici. Ce, ce côté, voilà, je suis en pleine renaissance et effectivement, euh, je regagne ma force, je regagne ma place, je regagne mon pouvoir. Mardi, un événement pourrait survenir. Euh, qui nous fait conscientiser, voilà, ou la, le passé qui rattrape, hein, quelque chose du passé qui revient. Alors ça pourrait être une personne euh, qui remet sur le tapis quelque chose du passé. Et euh, vous allez vous dire bon ben bah, le roi là, je pensais être sur le trône et tout. Si ça vous déstabilise, c'est qu'il y a encore des choses peut-être à intégrer. Hein. Je, je lis ça avec euh, le tirage que je viens de vous faire du tableau précédent. Mercredi repos. Euh, on apaise les émotions. Il pourrait y avoir quelque chose aussi où vous sentez que ce n'est pas le moment de réagir ou qu'il ne faut pas réagir. Euh, jeudi, le saut de la foi. Vendredi, la tranquillité. Ouais, c'est par rapport à une relation. Alors là, je suis obligée de. On va demander plus d'informations ici. Alors, hop là le labyrinthe, au niveau du cœur, on recherche une solution, on recherche une alternative, on recherche une porte de sortie. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de confusion. Euh, ça peut être un choix à faire. Est-ce que euh, la nouvelle personne, est-ce que c'est cette personne-là, est-ce que c'est cette personne-là J'ai l'impression qu'il y a. Ce serait plus facile avec une nouvelle personne, c'est ce que j'entends. Sauf que, ouais, c'est une illusion. Il y a toujours la peur que ça se reproduise, euh, mine de rien. Et là, on vous dit, bas les masques. Hein. On a quelqu'un qui va peut-être aussi montrer son vrai visage. Alors, bon gré, malgré, je ne sais pas. On a l'anneau. La fidélité, le contrat, l'engagement. Restez fidèle à vous-même, c'est ce que j'entends. Alors, il y a une carte qui est tombée. Elle est où Elle est là. On a l'enfant. Ah, des projets. La naissance d'un projet. Et c'est se positionner en vue de. Ouais, de rester dans la joie, l'enfance et la pureté, la joie. Euh... Ouais, ça va être une semaine test. Avec quelqu'un qui, euh, qui vient un peu brou... Alors, Alors, c'est pas qu'elle vient brouiller les pistes, attention. J'ai l'impression que c'est assez euh, confus avec quelqu'un, où une personne peut être un petit peu joueuse, euh, souffler le chaud et le froid. Je ne serais pas étonnée que le Béline me parle d'inconstance. Vous voyez D'ailleurs, je vais l'utiliser tout de suite et on va voir ce qui sort. Alors, on a stérilité. Pensée stérile, hein, ou amitié stérile. Trahison. Ouais, découverte d'une trahison aussi. Incroyable. Euh, voyez, j'ai pas touché le paquet. Enfin là, euh, vous allez vous dire euh, cette <laughs> ah, je devrais mettre un truc. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Voilà, c'était le disclaimer. Hein. Donc oui, j'avais dit je sens l'inconstance. Donc la, la carte de l'inconstance vient nous le confirmer. Et attention à ne pas être trop dur envers vous-même ou envers une personne. Cette personne a ses propres challenges, mais j'ai l'impression que ça vous teste vous sur votre propre constance. Donc il va falloir être solide par rapport à ce que vous allez peut-être apprendre d'une personne. On a bonheur, union. Euh, restez dans le. Dans la joie que vous procure euh, la possibilité d'une belle union. Vous voyez, si, parce que quand on est challengé dans le... Fin, dans un couple existant, pas encore existant ou plus du tout existant, en fait, on est calqué sur ce qu'on vient de produire, ce qu'on qu vient de vivre, et c'est comme ça qu'on le répète. Okay Donc là, on a un retard. Oui, il y a un retard sur le bonheur à cause d'une question matérielle aussi. Et il se pourrait qu'une autre personne euh, vienne un petit peu brouiller les pistes. C'est pas forcément une proposition amoureuse. Ça peut être quelqu'un, un ami d'amis qui vous dit ⁇ Ouais, moi j'ai appris que nanani, euh, elle m'a dit que blablabla. Bla ⁇ bla, euh, Attention à ça, attention, attention. Parce que... Là, j'ai l'impression que ce que vous voulez le plus va vous tester dans le sens, est-ce que tu as réellement les épaules pour Est-ce que tu as changé Alors, Il y a une union. Euh, il est question d'une union. Il est question d'un partenariat. Il est question d'un contrat avec une personne. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, positionnez-vous. Ça va être vraiment très important. Positionnez-vous en accord avec vous-même. Euh, ça, c'est une... Comment dire ce retard va vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu, ou alors de trop penser, ça ne donnera rien. D'accord Ça vous rend dans la. Voilà, les nuages hein, parlent de confusion, euh, parle de flou. Et peut-être qu'au niveau des pensées, c'est justement pour que vous vous reconnectiez au cœur. Moi j'ai euh, voilà, cette notion-là, de se reconnecter au cœur. Alors, ok, par rapport à une offre, est-ce que ce métier me convient est-ce que ça me procure de la joie hein Est-ce que euh, ce ne serait pas quelque chose que je reproduirais Comment je peux réagir différemment Vous voyez, ces questions-là euh, vont vous permettre justement de... de, de comment dire De peser le pour et le contre. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas forcément honnête. Attention à ça avec vous. Alors, elle est peut-être honnête... Euh, dans ses sentiments, mais dans ce qu'elle laisse paraître. Attention, il y a du jeu dans ce, cette semaine. Alors, je le range, enfin je le remets. Euh, je regarde aussi sur quoi je coupe. Il y a, il y a une histoire de, de lâcher, euh, lâcher un vieux système. Euh, un vieux système réactionnel même si ce n'est pas agréable forcément à vivre. Hein. Je vous le dis, euh, ça ne va pas être forcément agréable à vivre cette semaine. Ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise semaine. Hein. Je, voilà, je viens de le dire. Il y aura des choses pas forcément agréables à vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise semaine. On est dans une période charnière. On quitte... Euh, là, on a la, la rétrogradation de Neptune, la rétrogradation de, de Saturne. Tous les deux dans le signe du poisson, des poissons, pardon, parce que c'est euh, signe euh, pluriel avec le signe des Gémeaux. Euh, on a Vénus qui est en Lion. Alors, invitation. Vous allez recevoir une invitation, une sollicitation, une proposition. Ouais, il y a un temps de pause. Et on vous dit faites pause. Réfléchissez bien à ce qu'on vous propose aussi. C'est ce que j'entends. Relation instable. Vous hein, voyez, je vous l'ai dit, il y, a, il y a une énergie d'inconstance. Il y a une énergie d'instabilité. Euh, on va voir à quoi c'est dû. Ça peut être par rapport aux énergies que vous avez envoyées. On a une métamorphose, un ah, retour du passé. Je vous l'ai dit. Peut-être une personne du passé qui vient encore vous titiller pour voir comment vous vous positionnez. Un conseil prenez le temps de réfléchir. De moi, j'ai l'impression mercredi on avait la carte du repos et j'ai un peu le motus et bouche cousue. Genre. Euh... Ok, ne réagis pas, ne, ne donne pas de vie à cet événement. Vous voyez J'ai senti un truc sur mes pieds. En ce moment, je suis très calquée sur les défunts, les, enfin, des énergies du. Euh... Voilà, je, 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 je pourrais presque faire de, de la communication euh, défunts parce qu'il je... voilà, y a un truc qui, qui, en ce moment, me titille. Euh... Il y a une présence voilà, chez moi. Donc, je fais, euh, je fais de quoi. Hein. J'ai fait brûler euh, des, petits, euh, des petites choses pour libérer. Voilà, Mais euh, de temps en temps, je sens des petits, euh, petits chatouillis comme si on me touchait. Donc, euh. OK, on a attraction. Là, il s'agit de vous, des événements que vous attirez. Hmm. Derrière, on a quoi Rivalité, triangle amoureux, tourner la page. Ouais sur l'été, hein, une, une atmosphère, euh, c'est la période où il, il va falloir tourner la page sur certains événements, certaines personnes. Et je pense pas que, euh, alors certaines personnes sont encore dans l'inconstance et ouais il va falloir les libérer, il va falloir les les laisser. Je je sais pas comment le dire autrement, il va falloir les laisser. Alors, l'articulation et l'évolution, est-ce qu'on pourra avoir des messages, s'il vous plaît Alors, je le fais là parce que quand elles tombent, je peux les rattraper, d'accord euh, mmh. On a ce côté évolution après un temps de, de calme et on vous dit garder espoir, c'est pas parce que c'est calme qu'il ne se passe rien. C'est peut-être de l'autre côté que ça se passe. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire, c'est de l'autre côté que ça est en train de se passer. Et que là, l'idée, ça va être de se recentrer sur soi. Vous voyez, une évolution vers des signatures hein, pour les personnes qui se posaient la question au niveau professionnel, surtout. Alors, on a, eh, intéressant, réconciliation avec le retour du passé. Alors, réconciliation ne veut pas dire on se réconcilie avec la personne. On peut faire la paix avec son passé, se réconcilier dans le sens... Concilier, trouver une conciliation, ça veut dire trouver la paix. Donc pardonner, faire la paix et pouvoir avancer. D'accord Ça ne veut pas dire on va se réconcilier. Parce que souvent les personnes disent Ouais, mais tu avais dit en vidéo qu'on se réconcilierait. Alors, première chose, la vidéo est une vidéo générale sur YouTube qui va, qui va être adressée à euh, 2000, 3000, je l'espère 10 000, 20 000 personnes. Mais le nombre de personnes qui tomberont dessus. Maintenant, en guidance privée. Je suis calquée sur vos énergies. Je ne peux pas vous confirmer euh, ce que j'ai dit sur YouTube. Si ça vous confirme, tant mieux. Si ça vous confirme que vous n'êtes pas encore sur ces énergies-là, tant mieux aussi. Vous savez où vous en êtes, vous. D'accord Ça, je préfère le préciser. Parce qu'il y a des personnes qui m'en veulent personnellement. Parce que je ne leur ai pas annoncé ce qu'elles voulaient entendre. Non, je vous dis ce que vous devez savoir. OK? Et ce que vous devez savoir, moi, je vais m'arranger pour vous le dire d'une façon à ce que ça vous fasse avancer, évoluer. Il y a des personnes qui me remercient dès le lendemain, puisque dès le lendemain, elles ont eu quelque chose qui a bougé, qui prenait des mois et qui stagnait depuis des mois. OK? Alors, ici, on a. Euh... C'est un petit disclaimer aussi, parce que euh, des fois je me dis euh, pourquoi on m'en veut personnellement Je ne suis pas responsable, moi, de, de cette situation. Hein je vous aide au mieux, mais je ne peux pas être partout non plus euh, et je ne peux pas sauver le monde. Donc voilà, c'était juste une petite euh, précision. Alors. Ouais, quelqu'un qui revient ou euh, vous allez entendre parler de quelqu'un ou ça peut être tout simplement vous allez voir une histoire sous une autre forme. Euh, moi, je pense que tous les contrats karmiques s'achèvent ou en tout cas sont réglés. Ouais, on a la lune, être à l'écoute de soi hein, ici et surtout euh, gestion émotionnelle avec la lune. Puis on a la pleine lune euh, dimanche. La semaine prochaine. Et on a la clé. Hein. Une clé, une ouverture, il y a des solutions qui vont apparaître. Euh, mais la clé, elle est aussi dans l'enfance, l'adolescence. Voilà ce que dit le paquet. Maintenant, qu'est-ce qui. Euh, ok, c'est très, très beau comme tirage parce que laissez faire. Voilà, laissez faire, même si des fois ça ne ressemble pas à ce, que vous, à, ce à quoi vous vous attendiez. C'est pas plus mal parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être libérées. Et on va voir quoi, justement, à votre niveau. Réponse des gens soit deux fois la clé. Hein. Lien de vie antérieure, rupture avec un contrat karmique des vies antérieures, du corps physique souffrant. Alors, ça, c'est très Vénus en lion, On ralentit, on prend le temps de, de conscientiser. Ah ouais, et on met fin au jugement des autres, on prend le temps de s'écouter soi et on rond avec le jugement des autres. Alors, combat. Peut-être une situation qui est challengeante, hein, c'est ce qui me vient. Euh, le côté combatif doit être abandonné, sinon vous attirez quoi De la lutte. Ou de quoi être dans la lutte De quoi être dans, encore dans le combat okay Vous n'avez pas besoin de prouver des fois. Hein. Euh, laissez les gens parler, ça va être la... ce qui va vous conférer de la paix. Et les gens vont justement voir que vous ne réagissez pas. Et vous êtes en paix avec ce qu'elles disent, même si elles disent des conneries, des horreurs. Euh, des fois, il faut... Euh... Bon, ok, d'accord. Mmh. Mmh. J'entends. J'entends ce que tu dis. Répondez ça, vous allez voir la personne, elle va dire, attends, euh... qu'est-ce qui se passe J'entends ce que tu dis, est une phrase très puissante. Déjà, vous entendez ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle elle a besoin d'expulser de libérer, de faire savoir qu'elle est malheureuse, qu'elle est mal dans sa peau, en, en disant ⁇ j'entends ce que tu dis ⁇ Déjà, ça ne veut pas dire que vous, la, vous tolérez ce qu'elle dit, vous comprenez qu'elle est dans cet état-là, d'accord Et elle, elle, va, elle va se sentir comprise par vous, c'est très important. Ça ne veut pas dire que vous tolérez qu'elle vous parle comme ça. Moi, je peux, je peux répondre ça et euh, ne plus euh, lire, ouvrir les messages de cette personne pendant quelques jours. C'est-à-dire que je vais prioriser mon bien-être. Et si cette personne, elle a besoin euh, que je sois mal, eh ben, je vais la laisser dans ce besoin-là. Mais moi, ça ne veut pas dire que je vais de, devoir l'être. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a un apprentissage. Il hein. euh, y a une situation où vous êtes en plein apprentissage de l'indépendance, de l'autonomie. Vous apprenez aussi à vous. À faire la part des choses, c'est-à-dire, ok, cette personne elle expérimente ça. Très bien. Ouais, problème. Il y a un truc qui est en train d'être réglé. Euh, moi, j'ai beaucoup de colère hein, de l'autre côté. Beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. Ou alors c'est de votre côté, je sais pas. De toute façon, hein, va se euh, un vase communiquant l'un et l'autre, l'autre et l'un. Hein, donc euh, voilà. Euh, mais oui. Ralentissement. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon avec cette lecture et j'en suis qu'à 28 minutes. Hein, donc, euh, euh, émerveillement. On, on ralentit pour euh, s'émerveiller du parcours de, waouh, j'aurais réagi comme ça avant, très bien. Maintenant, je réagis d'une façon différente. Vitesse d'évolution. Ouais, ça va être une semaine test. Hein. Je vous le, je, je, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. J'allais dire, je vous le dis, mais j'arrête pas de vous le dire. Euh, flashback chez ma, chez ma parentale. Et là, c'est vraiment de, re de regagner, ou de retrouver, euh, ouais, de revenir sur soi et de retrouver une sorte de paix intérieure, quand bien même les autres vous diraient tout l'inverse. Voilà. Ce qui se passe cette semaine. Ouais, le conseil, ça va être de, de vraiment... Euh, Aborder les choses sous un nouvel angle. L'éclipse lunaire, il y a du changement, mais en fait, on va vous tester sur. C'est du neuf, hein. euh, du neuf dans le sens, c'est le neuf de bâton. C'est-à-dire si vous êtes encore sur le qui-vive, vous êtes encore calqué sur le combat, la méfiance, euh, le fait de devoir faire des efforts, le fait que ce soit toujours pas là. Alors que si vous dites, ok, très bien, bah, ça m'enseigne quelque chose, même si j'ai pas encore compris quoi, bah très bien, c'est comme ça. Là, vous êtes dans le non jugement de la situation. Vous prenez le temps de réfléchir, de ralentir, de voir ce que ça vous fait et de calquer vos énergies sur la bonne fréquence, c'est-à-dire la paix intérieure, se choisir, se prioriser. Il y a, y a de toute façon quelque chose que vous savez en vous-même, c'est que ça ne va pas... Euh, comment dire Des fois, moi, je me dis, est-ce que vraiment... Euh, est-ce que tu risques d'avoir le pied tranché si tu réponds à un message de cette personne Est-ce que, est que tu, tu, vas, tu vas te foudroyer sur place Tu vas mourir euh, Et je me dis non, donc relativise, ça va. Voilà. Et si tu n'as pas envie de répondre, c'est correct aussi. voyez euh, Dans la sphère perso, quand quelqu'un est mal et veut que l les autres soient mal, c'est pas qu'elle est malsaine ou mauvaise, c'est qu'elle est dans, ces, dans cette énergie-là. Et qu'elle veut que les autres soient aussi dans la même énergie pour peut-être se sentir moins seuls. Alors on a la carte du respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, mes très chers, votre énergie de la semaine. On se retrouve bien sûr dans la semaine pour les énergies de la pleine lune. Je vous montre ça parce qu'en fait tout simplement j'ai un calendrier à côté. Vous ne voyez pas et leur champ hors caméra. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. On se retrouve bien sûr, alors sur Patreon, les vidéos ont déjà été tournées. On se retrouve pour de nouveaux tirages à choix. Je le répète parce que beaucoup de gens m'ont écrit cette semaine alors que je l'avais dit en vidéo, d'où l'importance d'écouter jusqu'au bout. Euh, je ne suis pas dispo, les deux premières semaines d'août, il n'y aura pas de guidance privée. Euh, je ferai des tirages commandés, mais euh, je limiterai les stocks parce que j'ai un fort besoin de me reposer, de prendre du temps pour moi, de rien faire, de chiller, d'aller me balader, euh, d'aller à la mer, etc. Donc ça va être mes petites vacances à moi. Et forcément, euh, là pour le calendrier des réservations, il n'est pas encore ouvert, tout simplement parce que je serai encore en vacances à ce moment-là, dans un mois. Et il euh, y a un mois de... Euh, vous pouvez réserver sous un mois. Max. Voilà, donc pour les réservations de septembre, c'est pas encore ouvert et pour euh, août, il faudra attendre euh, le 20 juillet, le 21 juillet pour pouvoir avoir un visuel sur mes disponibilités. D'accord Voilà, je dit, maintenant, euh, vous avez la possibilité toujours de réserver. Hein, euh, s'il reste des créneaux, je ne sais pas s'il en reste pour le mois de juillet. Euh, il me semble que non. Mais cela dit, je vous invite quand même à vérifier. Euh, dans mon agenda, au, à l'onglet tarifs et réservations. Et si jamais c'est pas le cas, que vous voulez vraiment avoir affaire à moi, pensez au programme Globe. Je vous mets le lien en barre de description. Il, il s'affiche aussi hein, quand le petit i apparaît, c'est qu'il y a des informations. Je, je laisse passer et ça vous permettra de travailler avec moi tous les jours avec des étapes que j'ai préécrites et qui vous permettront d'avoir tous les outils qu'il vous faut pour vous transformer de l'intérieur et au bout d'un mois, vous allez voir les changements qui sont déjà intervenus et ceux qui continuent à fluer. Je continue à recevoir de gros, de, de, de gros messages, j'allais dire, de superbes messages par rapport à ce programme. Donc merci à vous pour votre confiance. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao